Le train s'est ébranlé. Et on a commencé à souffrir de la faim, évidemment, mais ce qui est plus terrible, c'est la soif. On essayait d'avoir un peu d'air, on essayait d'agrandir un peu les interstices du wagon pour pouvoir respirer un peu. On étouffait là. On était au mois d'avril, il ne faisait pas tellement chaud dehors, mais nous, on avait chaud dans les wagons. On crevait. On crevait de soif, on crevait de faim et on manquait d'air. C'était terrible. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui sont devenus fous.